Le temps que je change ma fille, ça a duré 5 minutes, même pas plus. Combien vous prenez pour changer une couche d'un enfant? Quand je reviens à la vitre, je vois plus ma fille. Et c'est là que je vais et je cours partout. Je crois qu'il y a les caméras qui me voient. Et je crie « Rose ! Rose ! » Elle m'a pas entendu, ma fille. Elle m'a pas répondu. Celui-là qui l'a tué, j'ai entendu qu'il était il y a deux semaines de ça, il était dans l'hôpital psychiatrique et ils l'ont laissé. Je veux qu'eux, ils payent. Ils n'ont pas vu que c'est un fou. Ils ont laissé un fou. Pourquoi? Il leur fallait un cadavre de 5 ans. Il leur fallait des personnes détruites comme moi pour qu'ils puissent réagir. Je veux juste que la justice soit faite. Je veux juste que la personne qui a fait ça, qu'il soit bien responsable de ce qu'il a fait et qu'il paye bien. Parce que moi, je paye avec toute ma vie. Avec la vie de mes enfants, avec toute ma famille. Et là, je ne suis plus en confiance ici. Je suis détruite. Je ne sais pas si quelque chose, si quelqu'un puisse me comprendre. Et si quelqu'un a passé par où moi je passe. Mais c'est très dur. Il y a un jeune homme qui s'est présenté auprès de la gendarmerie pour signaler que lui, il avait vu cette fillette dans un secteur différent de l'endroit où elle a été retrouvée. Et donc la police municipale, le connaissant, lui a demandé, écoute, si vous avez d'autres informations à nous donner, si vous la voyez, n'hésitez pas à rappeler le service de la police municipale. Une demi-heure après, il a rappelé, en donnant comme information que la fillette était avec lui. J'ai entendu qu'il avait déjà des antécédents et qu'il avait, pour habitude, il était tenté de s'approcher auprès de jeunes enfants et avoir des gestes déplacés, des gestes à caractère sexuel apparemment. Je sais qu'il n'était pas très net. Il regardait un peu trop ma fille, un peu trop bizarrement, pas comme un enfant normal en fait. Genre, je vais te faire du mal ou voilà quoi. C'était un peu genre... Vicieux. Voilà. Un peu quoi, un peu vicieux.